Le pari du ZD était de mettre les sports extrêmes à l'honneur ici à Bruxelles. Eh ben franchement, on a été gâtés entre les loopings de moto, les figures incroyables au BMX. Toute la journée, on a pu constater qu'il y avait des malades qui étaient en train d'aller d'un immeuble à l'autre sur une corde. Et justement, on a voulu en savoir plus et là, on est avec Florian. Salut. Salut. Alors, peux-tu nous en dire un peu plus sur le slackline, ce que c'est ? C'est pas compliqué, c'est juste une discipline qui consiste à essayer de marcher en équilibre sur une sangle. Pas sur un câble, ça c'est les funambules. Donc c'est vraiment la différence entre slackline et les funambules. Et ça se passe toujours en hauteur ? Non, pas du tout. Pas spécialement, j'allais dire, mais on commence tous au sol entre deux arbres dans un parc ou voilà, sans un environnement effrayant comme ça peut être le cas ici. Et le but au final, ce n'est pas forcément que d'aller d'un point à un autre, debout. Il y a aussi des figures, j'ai vu. Il y a moyen de faire des figures, ça se fait plutôt au sol, hein, sur des sangles bien tendues, un peu qui rebondissent comme des trampolines. Ici, le challenge, c'est de contrôler ses émotions et de contrôler les mouvements latéraux de la sangle, le vent, la pluie, ça a été le cas un peu aujourd'hui. Donc voilà, c'est vraiment une autre façon de faire de la slackline quand ça va en l'air. Toi, tu représentes du coup alors bislack.be, c'est une ASBL qui vise à promouvoir la discipline. On prend part à des événements comme aujourd'hui aux ZD quand c'est possible. Là, on a pu réunir toutes les conditions pour pouvoir le faire, les autorisations, tout ça, c'est pas évident. Mais franchement, merci la ville, merci le ZD, c'est incroyable de pouvoir faire ça comme ça entre deux tours dans sa ville. Revenir sur ton ASBL, vous proposez quoi concrètement ? Soit on propose des démonstrations comme c'est le cas pour le ZD, soit on fait des animations. Donc on propose au public d'essayer la discipline, mais voilà, au sol, sur des sangles beaucoup plus courtes. Comme ça, ils peuvent voir en quoi ça consiste. Alors peut-être tu vas savoir résoudre notre énigme, parce que là, franchement, on cale. Comment vous avez fait pour envoyer la corde de l'autre côté ? C'est facile. Une personne de chaque côté, on fait descendre une corde. Ici, pas de chance, il y avait des terrasses, donc on a dû mettre des collègues qui ont refait passer de la terrasse jusqu'au sol. Et puis, il y a une personne en bas qui connecte les deux cordes. Et on a fait notre liaison comme ça. Ok, parce qu'il y a quelqu'un qui a essayé de nous faire croire que vous avez lancé la corde et qu'il y a quelqu'un qui a rattrapé. On a déjà installé des slacklines à l'arc à flèche, au jokari. Il y en a qui font ça avec des arbalètes ou quoi, mais voilà, aujourd'hui c'était facile. Ya, mon gars. Yes. J'ai dû me battre, quoi. On l'a vu bien. Ouais, putain.